35 ans de prison pour Zine Ben Ali, 35 ans de prison également pour son épouse, Leïla Trabelsi, celle qu'on appelle la femme la plus détestée de Tunisie. Les époux Ben Ali ont écopé des peines les plus lourdes dans cette affaire de détournement de fonds. Ils ont d'ailleurs écopé de plusieurs amendes, 50 millions d'amendes pour la justice tunisienne et 41 millions de dinars d'amendes pour dédommagement pour le peuple tunisien. Ça fait en tout près de 45 millions d'euros que ces époux auraient dû verser ici en Tunisie. Mais bien évidemment, ce ne sera pas le cas puisqu'ils sont toujours exilés en Arabie Saoudite. Ce procès, c'était un procès pour la forme, un procès symbole, mais il n'en reste pas moins historique puisque c'est la toute première fois qu'un président du Maghreb est jugé par la justice de son propre pays.